Are you listening? Damn. Bah écoutez, vis-à-vis des, comme tu viens de dire, hein, des conditions du terrain, des conditions du déroulement du match, on peut que se satisfaire du 3-3. Même, je pense qu'on aurait mieux géré notre fin de match, hein, après le 2 partout. Il y avait moyen de l'emporter. Et bon, voilà, je pense que la transition et surtout l'apprentissage continue pour les jeunes. On prend des buts sur des erreurs très bêtes au milieu de terrain. Et je pense qu'aussi, défensivement, on a eu beaucoup de soucis aussi dans l'axe. Voilà, donc, on a quand même, malgré tout, le groupe a montré des ressources mentales sur beaucoup de matchs qui, par le passé, on pouvait les perdre, hein, surtout quand on est mené 2-0. On arrive avec toute la détermination de la jeunesse et de la hargne à malgré tout revenir dans le match et surtout savoir ne pas le perdre face à un concurrent direct entre guillemets à la montée. Nous, comme Amber, on est deux équipes avec des formations très jeunes. On va avoir sûrement des soucis à régler dans l'année, hein, en termes aussi d'impact physique, en termes de projet de jeu. Et je pense que voilà, le sprint n'est pas lancé, hein, pour les premières places. Je pense qu'il y a plus d'équipes que nous qui ont la pression, hein, comme Saint-Flour, peut-être un peu Orient, hein, qui ont des équipes beaucoup plus ambitieuses que nous. Mais nous, malgré notre jeunesse, moi, ce qui m'a fait un peu... Là, j'étais déçu surtout sur les erreurs vraiment qui ont été commises, alors qu'on avait le monopole du jeu, on avait vraiment la possession. Je trouve que mes joueurs, ils étaient déterminés. Il y avait des bonnes phases de jeu malgré le terrain. Il y avait une amélioration sur ce projet de jeu. Après, c'est la transition qui n'a pas été bonne, c'est les finitions qui n'ont pas été au bout. Mais malgré tout, je reste... Non, pour moi, ce n'est pas un coup d'arrêt, je reste confiant. Je pense que le groupe progresse. Il y a beaucoup de bonnes choses. Quand je vois qu'il y a beaucoup d'équipes à côté qui sont 13, 14 entraînements, nous, on est 20 à l'entraînement. Hein, donc, les joueurs sont motivés, il y a la concurrence qui est en place. Et je pense que c'est appelé à progresser et à gagner d'autres matchs. Et je pense que dès la semaine prochaine à Murat, on est obligé d'aller gagner là-bas. On s'est bien battu, on n'a rien lâché, malgré l'expulsion à la 15e minute. En plus, on se prend des buts avant la mi-temps, donc pas facile de revenir dans le match. Mais on a montré qu'on était là, qu'on était des vrais hommes et qu'on pouvait faire pas mal de choses et que la saison n'est pas terminée et que voilà, il y aura des belles choses à venir. On s'est dit qu'au contraire, il ne fallait pas baisser la tête, qu'il fallait qu'on montre qu'on est des vrais hommes, qu'on est des guerriers sur le terrain. Malgré les conditions, ça va pour les deux équipes, donc on devait tout donner pour ce match. Et puis c'était très important de gagner au moins ce match, mais on n'a pas pu, mais c'est pas grave. Oh.
Et après, on a tous notre responsabilité là-dedans. On ne va pas citer des gens, c'est toute l'équipe, on travaille tous ensemble. Donc si on gagne, c'est l'équipe qui gagne. Si on perd, c'est l'équipe qui perd aussi. On est tous ensemble, que ce soit le coach, les joueurs, c'est comme une famille. Donc voilà. Par rapport au scénario, c'est sûr que c'est un bon point, mais bon, après, voilà, c'est vrai qu'on pouvait faire mieux. Après, il nous reste le match retour, donc on verra bien. Et puis, on s'est déjà fait éliminer en Coupe de France par eux, donc on aura encore plus la rage, j'espère bien, pour gagner ce match. Damn.